Ok, épisode 7, on se fait bourrer. Bonjour à tous et à toutes, ici Azu, j'espère que vous allez bien. Je vais sélectionner mon nain, il faut qu'il se tire, oui. Santé basse. Putain, sélectionner le nain, contrôle, ne meurs pas. Oh, c'est chaud. Va te reposer. On n'a pas perdu de nain. Vite. Libérer. Utiliser. C'est bon, pour le moment on le gère. Ils sont tous en train de dormir, ils sont tous en train de régène, non? Sauf un, il est où? Il est en train de miner. Il y en a un qui en a rien à foutre et qui mine. Bon. Mais il reste 3 gobelins. Ah va. Et il reste des rats aussi. On va savoir pourquoi. Hunter! Voilà, ouais, pétez le nid. Réveillez-vous, pétez le nid. On a combien de confort là actuellement? 42. Ce serait bien de l'augmenter un petit peu. Est-ce qu'on a des choses pour augmenter le confort? Confort 1, c'est étable. Les chaises, c'est 2 de confort. Le feu de camp, ça augmente pas le confort. Est-ce qu'il y a des trucs ici qui augmentent le confort? Oui, des coffres en bois. On va crafter des cadenas. J'ai pas. Bon. Ah, attendez, je peux crafter des potions de vie maintenant? Ah non, c'est de l'huile. Est-ce qu'on a des sorts d'appel? Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Attendez. Un sort d'appel. Ce sort appelle les nains pour qu'ils se rassemblent en lieu spécifique pour attaquer ou défendre quelque chose ensemble, par exemple. Lumière magique. Cette lumière éclaire une zone sélectionnée pendant une courte période. Et ça, du coup, sort du portail. C'est ouvre un portail vers la réserve. Les nains peuvent l'utiliser pour y accéder et y revenir. Donc ça, je crois qu'il reste ouvert en permanence, si je me souviens bien. Donc là, ils sont en train de péter le nid. Et ensuite, vous allez vous reposer. Et toi, tu fais quoi là en bas? Tu transportes des ressources, c'est ça? Sélectionner le nain. Attaque l'ennemi. Non, attaque pas l'ennemi tout seul. N'attaque pas tout seul. Laisse-les. Et tu les attaqueras. On les attaquera quand tout le monde se sera reposé. Tous, ensemble. Est-ce qu'il y a des zomboïdes? Il n'y a pas de zombies qui les attaquent, malheureusement. Putain, je les ai tellement pas vus arriver, ces enfoirés. On n'est pas passé loin de la catastrophe. On n'est pas passé loin. On va pouvoir remettre des salades. Les salades, en plus, qui régènent de la vie aussi quand on les mange. Voilà, mais comme ça, ils ont le choix. Vous mangez ce que vous voulez. Vous pouvez tuer ça. Vous pouvez tuer tous les rats. Ceux qui s'ennuient. Est-ce qu'ils bouffent notre nourriture? J'ai quand même l'impression, hein. Ils s'arrêtent de faire ça. Donc, lever le nez. Que... Non, ils le font pas que vers les tables. Je sais pas s'ils bouffent notre nourriture ou pas. Oh lol, il arrive à attaquer depuis en dessous. Vous êtes attaqué. Va te reposer, toi, s'il te plaît. Sélectionne le nain, se reposer. T'es low life. Vous êtes attaqué. Eh ! Oh, ça va, la nuit devrait pas tarder. Santé basse. Va te reposer. Merde. Il y a les intelligents et il y a les autres, hein. Ah, et j'ai pas replacé mon... Fabriqué. J'ai pas replacé ça, d'ailleurs. Ici. Là, je vais le placer là. Ok. Ça va, ils mettent vraiment 8000 ans à péter cette... Nouvelle tâche et santé basse. Ouais, bah c'est bon, il va se heal, vous êtes attaqué. Là, on sait. Nouvelle tâche, du coup, c'était quoi? Ah bah tiens, elle est pas traduite celle-là. Les animaux ne sont pas seulement des ressources de nourriture, mais également des variétés de ressources, comme la laine. Trouvez le vicinity of the camp. Of the camp, a beast, and mark it as a hunting target. D'accord, il faut qu'on chasse. Le mouton. Non mais me pétez pas la porte par contre, s'il vous plaît. Utiliser. C'est bon, ils m'ont niqué tous les rats. Qui est low life? Sélectionnez un. Toi ça va. Toi tu dors. Toi ça va. Toi tu dors. Non, toi tu vas te reposer. Voilà, c'est bien, défoncez-les comme ça. Là, vous pouvez pas prendre de dégâts en plus. C'est bon, vous les avez explosés. Et vous allez chasser qui maintenant? Bah écoutez, allez chasser les gobelins. Vous êtes tous bien réveillés, j'ai l'impression. Hunger! Voilà. Allez, Taïo! Alors faites pas les mongols autour d'échelle s'il vous plaît par contre. Le chef gobelin n'attaque pas, ça c'est une bonne chose. Et encore un zombie, bon il va crever lui normalement le zombie.
C'est bon. On est bon, voilà. Le zombie, il crame. Le chef est mort. Et maintenant, vous pétez le camp. Et on a toujours nos 8 nains, donc on a perdu personne. C'est une excellente nouvelle. Là, ouais, ok. Là, on était arrivé au bout de la grotte. Là, il y a encore des choses à miner. Je peux vous demander de ramasser ça, de ramasser... Non, pas celui-là. Celui-là, ça ouvre sur une grotte qui a l'air d'être un peu plus grande quand même. Par contre, vous allez pouvoir descendre comme ça. Ça, vous pouvez, et ça. Ok. Ils ont pété le truc, du coup, on a des milliards de ressources de disponibles. C'est quoi qu'ils m'ont construit, là, en fond? C'est bizarre. C'est bon? Ça a l'air d'être bon. Bon, eh bien, excellent. Excellent. Qu'est-ce que nous avions débloqué comme nouveau craft? Alors, on a des nouveautés, c'est du quartz. On a de l'argile. Et nous avons looté des gants d'archer. Oh! Équipons notre archer de ces gants d'archer. Non. Non, ici. Ah non, il se craft. C'est un nouveau craft qu'on a débloqué. Ah oui, c'est un nouveau craft. Mais on a toujours pas de laine, c'est ça? On a toujours pas de laine. Il faut absolument qu'on défonce du moutmout et de la poulaille. Et où la poulette? Non, pas celui-là, ça. Le sanglier, pas besoin pour le moment. On n'a pas besoin de viande, vu qu'il y a des milliards de rats. Et plus de moutons, par contre. On est vraiment à court de laine. Au pire, je peux en acheter au shop. Hein. Je vais juste voir un truc, combien ça coûte la laine. Ou la corde, hein, directement. La laine... Non, ça c'est de l'argile. C'est dans quoi la laine? C'est là-dedans, je pense. C'est ça. La laine, ça coûte 2, alors que la corde coûte 1. Ouais, c'est pour une seule. Ouais, ok. Du coup, on va effectivement acheter 1, 2, 3, 4, 5, 6 cordes. Parce qu'on est vraiment à court de laine. À court de cordes, donc. Voilà, il y a des milliards de plantes qui sont sorties. C'est pas grave. On peut remettre en vitesse 2. Vitesse 2, retour. 25 minutes. Oh putain, ça commence à se répétisser, j'ai l'impression. Tâche complete, un de base, donc ça c'est fait. Ok, parfait, on a eu de l'XP, on est bientôt au niveau 9. Transformation avancée, nouvelle technologie, arme basique. Et nous, ok, donc ça c'est... on doit terminer les trucs. Équipé, qu'est-ce qu'on a de nouveau? Une lance de gobelin. Oh, 20 dégâts. C'est plus que tout le reste. Mais on va remplacer déjà les massues tout pourries. Et j'ai ça aussi, 20 dégâts. Oui. J'ai ça que j'ai crafté. Ça. Et ça. Très bien. Cuillère. Est-ce qu'on a... Oui, on a encore besoin des pioches. De ça. Ça. Et ça. Ok. Et ils sont tous équipés correctement. Excellente nouvelle. Il y a quelqu'un qui n'a pas de casque? Non, ils ont tous un casque. Ouais. Ok. Il se repose, lui. C'est très bien. On va pouvoir... Ils me l'ont pété ou ils l'ont pas posé? Ils me l'ont pas posé, tiens. Reposer ça, crafter un peu de nourriture en plus, est-ce vraiment nécessaire? Non, pas pour le moment. Est-ce que vous avez des choses à faire? Normalement, vous avez plein de trucs à faire. Bah tiens, lui, il vient de se suicider dans l'eau. On l'a vu sous nos yeux ébahis. Normalement, là, il n'y a personne qui s'emmerde, parce qu'il y a plein de trucs à ramener. Surtout les cordes aussi à ramener, s'il vous plaît. Il y a une masse qui traîne ici aussi, s'il vous plaît. Je suis preneur. Ah, et... creuser. On peut défoncer les tombes, il me semble. J'ai un lointain souvenir qu'il y avait des trucs dans les tombes. Je sais plus. On verra. Il y a une torche, il y a une hache, il y a plein de merdiers. Et on peut rien vendre, hein. Market, zéro thune. On peut rien vendre dans le marché. Ok, bon. Qu'est-ce qu'on doit faire au niveau de la fabrication pour débloquer les prochains crafts? Alors, on doit faire des arcs ou des massues en acier. Ensuite, ici, on doit faire... Bon, on va crafter une... Ah, si. Non, si, je peux toujours pas. On va crafter des seaux. De la merde. On a 78 de bois. Donc, craftons un seau. Si je le retrouve.
C'était où le saut? Je suis aveugle ou? Mais. C'est pas possible. Vous l'avez vu 40 fois, vous. Ta fuck. Le saut. Ah, il était dans le merdier de je sais pas quel onglet j'ai sélectionné. C'est pas grave. Il nous faut des planches. Du coup, on va crafter des planches. Tac. Voilà. Vous pouvez couper le bois. Et là, ce passage m'emmerde un peu. Faudrait que. On va récolter l'eau. Non, pas creuser. Collecter l'eau. Lui, il nous fait les planches. Ouais. Voilà, donc là, plus d'eau. Est-ce qu'on met. Temporairement, on va mettre de la dirt ici. Construire terre. Les planches sont en cours de construction, donc on va pouvoir fabriquer des seaux. Il nous en faut encore un, donc 3 planches en plus. C'est ce qu'il est en train de faire. Ici en bas, ils ont mis. Eh, bonjour le bouquin, livre de grimpeur. Ok. Tac, on a attaqué par quoi? Ah oui, voilà, très bien. Donc on a effectivement viré la tombe et il y avait un squelette dedans, mais je pense qu'on a eu du loot aussi. Je sais pas si on a eu du loot. Tâche accomplie, nouvelle technologie, travail du bois avancé, arbre des technologies. Ah ben, il est fini. Ah ben, parfait. Et du coup, on n'a rien débloqué. Mais il faut qu'on fasse la transformation avancée maintenant. Donc de l'huile. De l'huile. Il nous faut une bouteille pour faire une bouteille. Il nous faut du verre pour faire du verre. Il nous faut du sable et du charbon. Alors normalement, on a les deux en grande quantité. Donc faisons du verre. Parce qu'on va avoir besoin de potions. Voilà. Ça augmente déjà pas mal. Équipé, qu'est-ce qu'on a de nouveau? Le livre de grimpeur. Non, pas pour le moment. Est-ce que j'ai un livre d'archerie? Livre de mage, livre de chasseur. Chasseur, c'est quoi? Apprenez à attraper vos dinos au lieu de devenir celui utilisé parmi les compétences du nain sélectionné. Non, ça doit être une compétence, c'est pas l'archerie, ça, c'est pas archer. Donc pas tout de suite. Parce que je serais quand même pour utiliser ces bouquins assez vite. On va mettre tout le monde mineur déjà, enfin tout le monde, on va mettre le plus possible de mineurs. Mineur, utilisé. Voilà. Mineur, utilisé. Mineur, utilisé. Toi, tu es forgeron déjà, donc je vais pas te donner le suivi de forgeron. Et toi, mineur, utilisé. Livre de bûcheron. On va mettre ceux qui ne sont pas mineurs encore. Bon, lui, il est mineur, mais ceux qui n'ont pas encore de deuxième capacité, on va leur mettre. Voilà. Forgeron. On va augmenter peut-être la capacité du forgeron. Parce que ça sert à rien d'avoir trop de forgerons, mais avoir un bon forgeron. Ah oui, ça augmente de bien en plus. Mage, on sait pas encore. Livre de chasseur. Bah, chasseur, ce serait celui qui a l'arc, et logiquement. On va lui doubler. Voilà. Et on a un livre de grimpeur. Là, c'est bien. Je pense que tout le monde doit être grimpeur, donc on va lui mettre à lui. Voilà. Comme ça, on a utilisé nos bouquins. C'est pas de la ressource inutile perdue. Et inutilisée. Bon, il continue de me faire des planches, mais c'est pas nécessaire. Mais c'est jamais perdu. On va en avoir besoin à un moment ou à un autre, de toute façon. Ici, ils ont encore quelques petits trucs à miner. D'ailleurs, ouais, il y a une plante qui est apparue. Il faut que je mette des torches. On va torcher un coup. Ouh, il y a des araignées. Araignées, ça doit être méchant, ça. Hunter! Hunter! Est-ce que ça pique? Est-ce qu'on arrive à y accéder? On y arrive. Ça va, ça fait pas trop mal. Virez-moi l'étoile d'araignée. Je sais pas ce qui fait que l'étoile d'araignée apparaisse vu qu'il y avait de la lumière. On a encore une grotte là en dessous. Et on a de l'or! Mon or! Et on a de l'acier. Donc on va descendre, je pense. Il faudrait que je crafte des échelles. Craftons quelques échelles en plus. Une. Tac. 10 échelles. Je vais poser les échelles, les commander ici, ici, ici. Là, cette torche-là, je vais l'enlever. Enlever la torche. Poser une torche à la place là. Niveau 9! Et un nouveau nain! Mon nain! Vous disposez de suffisamment de nains pour envoyer une expédition. Je sais! J'ai pas encore d'or, mon gars. J'ai pas encore d'or. Vous êtes attaqué.
Vous n'êtes plus attaqué. Donc nous avons un nouveau nain. Bienvenue. Alors, je vais te donner une pioche. Je n'ai pas de bonne hache pour toi, mais j'ai une bonne arme, 17-17. Ou j'ai un arc, je te donne l'arc, tiens. J'ai pas de tenue, mais j'ai un... Enfin, j'ai pas de plastron, mais j'ai un casque. Je vais te crafter un plastron tout de suite. Fabriquer armure plastron. Hop. Équipé du plastron. Bien. Ouais, comme ça, on a deux archers. C'est bien, parce qu'on a vu que l'archer, il faisait assez le taf. Hein. Il faisait pas mal de taf. Nous ne sommes plus attaqués. Il y a un nouveau. C'est bon. Donc là, ils vont nous poser, normalement, ce qu'il faut. On va poser une échelle là. Là, les échelles, c'est bon. J'ai commandé une torche ici. Je peux en commander également une ici. C'est moi ou la barre, elle a déjà pris pas mal. Ah, c'est x2 à chaque fois le niveau. Ah ouais, d'accord, les niveaux vont vraiment aller de plus en plus long. Vraiment plus long. À chaque fois, deux fois plus long. Après, on prend peut-être plus d'XP aussi. J'en sais rien. Bref. Donc là, il nous faut l'or. Et ça a l'air d'être un beau gisement et on a aussi l'acier. Donc vous pouvez déjà miner l'acier. Du bois, 61 de bois. Je peux demander au bûcheron d'aller buter, de couper ses arbres. On a des milliards de ressources qui traînent de partout. Et la base est belle. Et 16 minutes avant le prochain. 16 minutes avant le prochain raid. Ce sera du coup pour l'épisode suivant. Ça, vous pouvez l'enlever. Ah, mais des sacs à dos. Attendez, tout le monde n'a pas encore de sacs à dos. Si je dis pas de conneries. Ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il faut 6 sacs à dos. J'ai oublié. Sac à dos, sac à dos, sac à dos, sac à dos. Mais oui, parce que... Oh! Oh, la bonne nouvelle. Oh, la belle bleue. Sac à dos. Un sac à dos. On a déjà utilisé les cordes ou ils les ont même pas encore ramassés? Ils les ont même pas ramassés. Est-ce que je peux te demander de ramasser, entrer dans le magasin? Non. Il faut que vous ramassiez les trucs qui traînent par terre, les gens. C'est important. Pour la bonne marche de la suite de l'aventure. Alors, s'il vous plaît, appliquez-vous. Ah bah tiens, il y a un zombie qui s'est perdu ici. J'arrive pas à passer à travers. Ouh. Pour aller faire quoi? Qu'est-ce qu'il voulait aller faire? Je ne sais pas. Zombie, il peut pas attaquer l'araignée ou vice versa. Bon, on va aller commander la destruction de cette fosse. Je vais utiliser ouvrir la porte. Ah, c'est peut-être parce que la porte était fermée qu'il pouvait pas passer. Ça doit être ça. Ah, ils sont tous en train d'y aller. Pas besoin d'y aller à 80, hein. Il y a un zombie, deux araignées. Ah, mais il y a une mère araignée qui a l'air de faire pas mal de dégâts. Putain, il prend cher lui. Bon, c'est bon, elle est morte, mais. Il reste un bébé araignée. Tu es là. C'est bon. Enlevez l'étoile d'araignée. Ramassez ça. Enlevez les fonds. Je sais pas si c'est très utile d'enlever le fond ici, mais faites-le quand même. Ok. Bon. Mine. Une mine. Une mine, une mine, une mine. Ici, ils ont tout fini. Ce serait bien que vous creusiez ça. Vous me posez une échelle là, là. Creusez ça, creusez ça. Et là, on va pas aller trop loin parce que je ne sais pas ce qu'il y a dans la grotte. Là, c'est protégé par des plantes pour le moment. Mettre une torche également rapido ici. Et là, vous êtes quoi faire? Il y a une bestiole qui traîne là, qui dort. Là, pour le moment, on s'approche pas de cette grotte. Bon. Je vais arrêter de leur demander de faire des choses. Pardon. Je vais arrêter de demander de leur faire des choses. Comme ça, ils vont peut-être me ramasser des trucs. Parce qu'il faudrait ramener les cordes qu'on a rachetées, là. Oh! Il y en a un qui dort. Ouais, celui qui était blessé, il dort. Ici, c'est en train d'ouvrir, c'est en train de miner. Ils ont pas encore mis les torches. Vous pouvez mettre la dernière échelle là. Et on va se mettre bien. Et le gisement d'or est assez énorme. Par contre, il y a une bestiole qui dort. Et la grotte continue. On est à quelle profondeur? Ah ouais, regardez, on est même pas à la moitié. Ouais, quoi, si, on est à peu près à la moitié de la profondeur. Et j'aime bien les nains quand ils sont... Il y a juste leur tête. Et c'est la nuit. Est-ce qu'on voit les zombies avec une tête aussi? Je ne sais pas.
Lui, il fait le transport, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Mais plus encore, s'il vous plaît. On va encore poser un peu de bouffe. Sur les tables, où il y a de la place. Voilà, il me reste deux salades. Et on a le premier... Les premiers minerais d'or. Qui sont... Minés. Ah, n'allez pas trop près de lui, minez ça. On n'est pas pressé. Pas pressé de le réveiller. Et là, la grotte... Ça a l'air d'être assez profond, ok. Eh merde! Bon bah va falloir miner ça et buter cette bestiole, hein. C'est pas un problème. Bon, il décide de faire un aller-retour, très bien. Ici, nous avons du zombie! Hunter! Mort! Ça sert plus à rien, les mecs, hein. Ils sont bloqués, les autres. Lui, il a pas l'air de vouloir. Est-ce qu'il veut y aller? Non. Oui, oui. Ouais, il me transporte quoi? Il y a le bois dans les sacs à dos. Il y a que le bois et des pommes de pin. Ouais, la ficelle, elle est là. Attaquer. Oui. Wow, 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 tu le défonces. C'est toi qui as la meilleure arme en plus. Ah, c'est bon, tu vas le battre, mais... Ah, mais ils sont deux, j'avais pas vu, d'accord. Ah, il y en a deux. Bon, bah c'est bon, il y en a un qui va monter. Te casse pas la gueule. C'est bon, toi, fuis, va dormir. Toi, tu vas attaquer lequel, celui qui est en bas? Ouais, c'est ça. Et il est où, l'autre? Il arrive dessus. Eh, ça pique quand même, ces bestioles, hein. Je vais pas souvenir que ça faisait aussi mal. C'est... Géré. Minez-moi l'or, maintenant. Tout l'or, tout l'acier, l'or qu'il y a derrière aussi. Ah, on arrive à la couche du caillou. Bon. Et on a de nouveau des rats, les mecs. Je sais pas si on peut faire quelque chose contre les rats. Il est où? Il est là, le nid. Attaquer, 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 attaquer. Par une petite araignée qui est morte. Ah oui, il y a un grand nid d'araignée, là. What? On peut pas les laisser se spread, en fait. C'est bon. La reine mère est morte. Mort. Faut enlever les cocons là, je suppose que c'est des cocons ça. Merde, c'est pas accessible. On verra si elle pop ou pas. Nous sommes attaqués par des rats, c'est pas grave. Il reste un dernier rat. Le nid il est pété. Il y en a qui vont aller dormir. Nous sommes attaqués. Le rat, c'est bon, il est géré. Nous sommes attaqués. C'était quoi? Je ne sais pas, mais c'est mort. Et du coup, on doit pouvoir peut-être faire l'amélioration du portail. Oui, on peut faire l'amélioration. On ne peut pas faire l'amélioration. Lol, on n'a pas assez de minerai d'argent, mais il y en a qui traînent ici. Donc avec un peu de chance, lui, il va décider de les ramener. Encore des rats? Hein? Non, il n'y a plus de rats, c'est bon. Je peux mettre une torche là? 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 Non, je peux pas mettre de torche pour éclairer légèrement ici. C'est pas très grave. Je voulais voir pour... continuer d'avancer sur les recherches. C'était quoi qu'on faisait? On a fait plein de verre. On va pouvoir faire plein de bouteilles maintenant qu'on a plein de verre. Donc charbon. Et verre. Verre. Faisons un max. Hein. Voilà, jusqu'à ce que le niveau soit plein. Et les cordes là, s'il vous plaît. Je crois qu'ils m'en ont ramené. Oui, mais on a déjà ramené. Sac à dos, sac à dos. Un sac à dos pour monsieur. Sac à dos. Ah, on a... Merde, il y en a un que j'avais même pas équipé. Ah, bravo. Voilà. Et nous avons deux livres de mage. Oui, non, mais ça, on les a déjà vus. On a des petites armes. Alors, attendez. 17. 17. 17. Ouais. C'est pas mieux que ce qu'ils ont. Plus personne n'est à la masse, hein. 20. Non, c'est bon. Là, du coup, c'est en train de miner correctement tout ce qu'il nous faut. Ah, yeah. Livre de nageur. Ah, ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. On va mettre une torche ici et du coup, on va apprendre. Lui, il est déjà nageur. On n'a pas besoin d'un bon nageur. On a juste besoin qu'il sache nager. Personne n'est à deux. Bah, écoutez, on va apprendre à lui la nage.
utiliser. Yeah! Très bien, alors ramène-moi tout le merdier. C'est en train de me faire les bouteilles, c'est très bien. Quelles sont nos tâches maintenant? Nouvelle technologie, c'est ce qu'on est en train de faire. Et les armes basiques. Les armes basiques. Ah oui. Oui, oui. Du coup, on va voir pour craft... ah, on va crafter un comme ça parce que ça va augmenter de pas mal. Et qu'on a du verre. Même si ça fait pas beaucoup de dégâts, au moins, on l'aura fait. Le bois. Tac. Tac. Le verre. Tac. Donc, tu me fais ça une fois. Ah non, ça augmente pas de... autant que ce que je pensais. C'est pas grave. Les arcs, ça augmente de pas mal. Mais il faut des cordes. Et les cordes sont un peu ressources critiques pour le moment. Donc, not yet. On a besoin de nos... ah! On a dû avoir des... elles sont là. On va pouvoir faire encore des sacs à dos. Oui. Fabriquer. Sac à dalle. Là. Ouais, je me suis oublié au niveau du temps. Eh bien, écoutez, messieurs, dames, j'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve très bientôt pour l'épisode 8. Je crois, quelque chose comme ça. Merci à tous de m'avoir suivi. Petit pouce bleu si ça vous a plu. Et à la prochaine, c'est à The Ciao.